li mande greffe tribunal la voye dossier a pou li. Greffe la di yo pa joine ni yo voye un certificat négatif ba li et li vinn konnen ke te gen un pouvoi en cassation ki fait. Li di li voye mande coup de cassation dossier a, coup de cassation pou ko voye le ba li, il di coup de cassation te gen obligation pou te voye le ba li. Maintenant, moi te poser la question, est-ce qu'il veut libérer monsieur a? Li di ke pou kembel nan prison pour voyer le tribunal faut un dossier dans mon moi te dit lui est-ce que yo kabal copie organisation kabal copie il dit moi et copie yo pas recevable devant tribunal et c'est ça le commissaire gouvernement pas en tribunal commissaire gouvernement pas en tribunal ça veut dire que commissaire gouvernement montre qu'il a défendre tout au constant mais okay. Pas défendre société a il pas et il la banaliser la vie monde. Okay. Et admettons, pas de gain. Pardon. M'basonye si m'di, il dit, s'il te veut libérer, il t'a libéré déjà parce qu'il l'emmène le bon mois. C'est ça le dit tout dans la nouvelle liste. Mais il n'y a pas de libérer, il n'y a pas de droit pour libérer. Il n'y a pas de droit pour libérer. Et victime de coup d'état, et victime de massacre à Boto. Donc, il n'y a pas de droit pour libérer. Ok. Kounye la, bon, si pas de dossier, ok, si original yo et pot ko jwenn ni, ou bien pas de original dossier a dit tout, c'est pas lui même qui vous dit que et copie yo, yo pas capable, yo pas valable devant le tribunal, non? Mais quitte avocat Toto Constant dit ça, quitte tribunal là, le tribunal là composé, et mais kounye là il a apprécié qui dossier que on gagne en et puis dans quatre procès ça débat bon regardez frère là Toto Constant lui fait et 3 ans la massacre population et yo font procès et yo font jugement en 2000 yo jugé en 2010 en 2000 li pas jam là bon c'est avant hier là il est réussi rentrer en Haïti. Yo déporté après li fin et puis j'ai peigné et aux États-Unis parce que yo t'ai jugé pour des autres problèmes qu'il t'ai rien avec et la justice et américaine. Bon, li rentre avant hier là, le 23 et juin et puis gien marché pressé ça et côté ministère de l'immigration non. Donc ou même ou clair et ou dit c'est coup de cassation que ba ministère de la justice et dossier a et gain on direction dans ministère de la justice qui coiffé et commissaire gouvernement yo et donc si me comprendre bien pas de difficulté pour ta jeune dossier c'est ça dit là Pierre Espérance dossier là original yo là yo existé OK dossier là pas pour qui ça et marché pressé ça c'est parce que ou bon pouvoir qui banaliser la vie monde qui institutionnalise impunité en dans pays a et comme Toto Constant en pile et baron en PHTK mais c'est allié Toto Constant qui et yo teyé pendant période coup d'état 91 94 gen là de qui était dans fort journée jodi a yo voulait pour Toto Constant et pas en prison et ben nous yo voulait pour pas juger et puis et commissaire gouvernement Léli dit comme ça que t'es gagné et cassation qui t'est faite sous dans quatre dossiers ça. Est-ce qu'on connaît que coup cassation et immédiatement il était fin ran arrêt yo le fin décidé sous dossier. Il était doit tourner dans juridiction Bonaï oui parce que pour cassation t'est cassé jugement mais n'est pas mais n'est pas en cassation. Non ben OK, maintenant on l'autre aspect bon et monsieur ça qui est secrétaire d'état et qui occupait le bureau hémisphère ouest et monsieur Michael Kozak le 23 24 juin
li te font un tweet qui presque semblait tant coup dégoût de l'eau en tweet li fait et le 14 que l'ambassade américaine retweeté hier côté il dit en anglais bon heureusement il traduit li mon pas obligé à attendre anglais maman et ambassade américaine traduit en créole nous continuer compter sur autorité pays d'Haïti pour yo bail victime massacre aboto yo justice et pour rendre Emmanuel Constant responsable crime li te commettre en Haïti yo. Pour nous bâtir un état de droit, faut que nous commencer faire impunité suspend. Ou un commentaire sur position monsieur Michael J. Kozak et sur dossier ça. Bon, et ça nous connaît les autorités américaines yo et décidé voyer Constant en Haïti. Il y a eu une pile discussion avec le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, et il y a eu réassuré que Toto Constant est jugé en Haïti pour le crime qu'il a fait, et parce que il y a même eu un dossier ça dans la main, et il connaît sacré les juges dans la continence là, et donc depuis le juge pendant l'absence, l'air où est tout l'air yo je nous parler l'autre bagage que nous fait c'est prendre ou mener et la prison et nous croit que c'est par rapport à engagement que premier ministre était prend et avec autorité américaine yo qui fait que et département d'état et fait tout ça sorti et ambassade américaine relayé en français, il traduit en français. Est-ce que c'est père ou père en bagaille, comme si m'dadou gon Jean Cap fait là pour faire monsieur affilé? Est-ce que gon crête comme ça? Yo père en pile, yo inquiété en pile, yo connaît qui justice qui connaît en Haïti et yo connaît gon impunité capta et mandat dans société là et yo père en pile. Mais faut que moi dit tout. Avant aller dans faut que moi dit. Et oui. Yo wa Toto Constant mais relè pa wè et l'autre gang k'ap bay problèm yo et m'anvi tout gen un commentaire tout sou ambassadeur de France monsieur Gomez dans déclaration le 14 juillet qui dit que fòk du victime et tu gen on y a touyé dans quartier populaire ou faire rejoindre justice elle te dit tout que et Zak gang yo constitue une menace pour démocratie mais américain relè pa gen même ligne net avec oui non mais il est clair que position communauté internationale la corps groupe là et sous Haïti yo gon position ou le mde bon et si nan quelques dossiers par exemple massacre et la Saline et puis dossier et frappe de cet auto constant yo vle engager yo gon position claire mais pour l'autre yo touye je ouais et par exemple et garder un défilé et Genève la saute fait là et semaine passée là et mardi dernier mardi 7 juillet et ben yo pas dit rien même bon garanti si c'était n'importe l'autre groupe en société a et qui te fait ça et t'as bien gros réunion qui fait t'as bien gros note et qui te prend et même et sanction que yo t'a prend et contre monde que yo t'a indexé et qui pour groupe ça yo et li pas un secret pour aucun monde journée aujourd'hui hein Genève là c'est yon groupe bandit et délinquant cap kidnapper moun cap tuer moun cap voler camion moun cap violer moun et cap terroriser moun yo dans quartier populaire yo et weekend passé a été on était très occupé en pile par rapport et surtout dimanche par rapport avec un petit monde qui ont tapé rentrer en contact avec maman ni côté une joie un petit monde et 8 mois qui ont tué et donc on capable d'où yo fermer yeux sous et délinquants qui gagnent dans le pays, sous banditisme d'État, sous insécurité d'État, qui autorité et institutionnalisée. C'est clair, monsieur, ça va aller. Ils font boulette sous, et ils disent parce qu'ils ne peuvent pas manipuler, ils disent bon, ils disent bah, il doit aller l'homme. Chaque clair, ils font boulette sous, monsieur Espérance. Ça, d'où qui ça? Ça dit, vous continuez de travailler. Et ça. Et dit pour me continuer à accompagner les peuples haïtiens parce que
et pays ça nous gagne ça n'a vivant dans pays ça journée aujourd'hui nous pas jamais vivre li et depuis 86 après départ Jean-Claude Duvalier. Okay. Et oui, nous avons des moments difficiles dans le pays pendant 2001-2004, mais ça n'a pas vu aujourd'hui, nous pas comparer à 2001-2004, et nous pas comparer tout à 2004-2006. Et gang yo, et yo qu'on était dans fief yo, yo pas jamais arrogant comme ça, et autorité yo pas jamais qu'on officialisé et gang yo, et journée aujourd'hui le wap gade et n'importe moun nan Genève la k ap pale et donc c'est ouais c'est parole exécutif la qui a parlé ah qui bon? Est reporté oui oui an nou gade par exemple une déclaration qui ont fait ouais yo bon tout une série de moun qui ont cité qui ont un problème avec yo et tout ces moun qui exécutif la un problème avec yo qui a persécuté Genève la c'est parole pouvoir et quel côté mais ça m'a dit et messieurs dames où est crime qu'a fait journée jodia en dans pays là massacre tout et tout petit monde défilé Genève etc c'est crime contre l'humanité qui y est et pas de prescription pour eux Haïti pas un pays qui est isolé. Nous avons des pactes, accords, traités, conventions que nous signons et nous avons des lois pour dans le pays nous que l'autorité est condamnée pour respecter. Et les autorités dans le pays, pour laisser les bandits que vous prenez, vous avez des armes dans le pays, vous avez de l'argent, vous avez des munitions pour théoriser. Pour population, eh ben, et pour réduire population au silence, on l'a après pour une question ça et quand même. À qui est-ce qu'on parle là? Yes? À qui est-ce qu'on parle là? Et non, m'a parlé pouvoir exécutif là, m'a parlé au gouvernement, m'a parlé au l'État. L'État ça va qu'on est là. Est-ce qu'on parle de président Moïse, on parle de premier ministre Jout, on parle de ministre justice, on parle de monde qui gagne fonction, chef de la police. M'a parlé de qui est-ce qu'on parle? Je parle au pouvoir qui est en place, je parle au exécutif là avec le gouvernement qui institutionnalise une insécurité et dans le pays et une insécurité d'État et gang yo yo vin renforcer yo yo fait ça au blé et puis yo réduit police là au silence ou pas ouais journée aujourd'hui à quantité de persécution qui gagne contre membres syndicat et police là on parle des policiers qui a fait menace qui a prend zam qui a écrasé qui a fait des actions et qui inacceptable. Je parle même syndicat. Ils ont maltraité. Ils ont fait façon massive. Ils ont fait monter des sangs presque chaque jour dans l'inspection générale. Pour qui ça? Parce que ils ont défendu intérêt et policiers. Naturellement, si y a des policiers qui même syndicat, ils ont une preuve non mais qui estime qu'ils font un bagage qui pas correct, c'est normal. Ils ont fait pour sanctionner. Et puis pendant ce temps, ou bien des policiers, ou bien des policiers qui ont une unité spécialisée dans la police là, qui abattent et gang Genève sécurité, qui a sorti avec yo dans machine officielle, dans machine la police, inspection générale la police a fermé les yeux sur tout bagage ça yo, autorité a fermé les yeux sur tout bagage ça yo. Qui te formule une critique que nous avons là, nous avons deux critiques du genre, c'était monsieur pasteur Enoch qui est dans Cité Soleil et magistrat, je ne sais pas son nom, magistrat et Cité Soleil là, Janéus, qui te dit que le rapport d'enquête ou fait récemment, il manquait équilibré, comme quoi ou parlez de tout l'autre, mais on ne pas parler de Gabriel. Ou parler les lits et voilà si ça me changeait et je te dis comme okay. Remarque bien content gagnant pour mon commentaire sur ça s'il vous plaît moi li commentaire pasteur Enoch avec magistrat sur réseaux sociaux et moi penser que yo fait une erreur RNDDH pas faire rapport sur ça qui passé sur événement
Cité Soleil et week-end qui se passe là. Nous seulement recevoir une famille. Ok, je fais souligner pour moi, pardon. Je fais souligner, hein? C'est de fondation, j'éclairé ou t'es parlé. Pardonnez-moi. Ah, ok. Ok, pardonnez-moi. Okay. Mm-hmm. Ah, mais ok. Mais pour Cité Soleil, je vais faire rapport. Mm-hmm. Ou je ne pas faire rapport. Et je m'a dit que Pasteur Enoch, c'est un monde qui collabore avec nous. Et FJKL, pardonnez-moi, effectivement, là, je crois que si nous avons une enquête, nous besoin contre Sanabi Junerodia, parce que sinon, Pita et Pitris, et Mbak, nous pas déjà dans Pita. Ok. Merci un peu de l'expérience. Nous excusez-nous auprès du magistrat et pour ça, lui, hein. Wilson Dena, n'a pas ménagé espace pour lui demain pour lui expliquer nos situations dans le port salut et côté que il y a des mouvements de protestation et lui-même tout. Il y a des actions en justice qui menées contre les gens qui étaient entrés dans la mairie et boulés et matériel mairie. N'a pas mis ton bout, n'a sorti pour aujourd'hui. Merci. Un jour tout simplement.